Coucou les amis, c'est Yano. On se trouve dans la tour d'Estrode. On est niveau 4 toujours. Donc on a été envoyé dans cette tour dans le cadre d'une mission. Et dans le journal des quêtes. J'en dis pas trop plus. Et on vient de rencontrer à l'entrée de cette tour Grébor, un nain tueur à gages, qui nous conseille de ne pas affronter les démons qui se trouvent dans la tour, en nous disant qu'ils sont trop puissants pour nous. Et il nous conseille de rentrer à la taverne et d'avertir Irabès, la chef des troupes, que les démons vont bientôt attaquer. Donc on avait le choix de rentrer à la taverne ou de les combattre. J'ai choisi de les combattre. Donc Grébor va pas nous il va nous aider en. Il a dit qu'il voudrait bien tuer le démon, puisqu'il a un contrat sur le démon qui se trouve dans la tour, mais qu'il n'en fera pas plus. Donc voilà, on en est là et on va rentrer dans la tour. C'est parti. Un Grébor. Hop. Invisibilité, il a tué le démon. Les autres, c'est pour nous. Il y a du monde, hein. Alors. Donc le chef, c'est lui, Faxon. Il est où dans la liste? Il est là-haut. Alors, 43 points de vie. Pas énorme. 3, électricité et feu, en résistance 5 points seulement. Il fait pas beaucoup de dégâts. Il semble pas avoir d'immunité. Bon, il a des sorts, hein. Bon, bah on va essayer. Alors, comment on est placé, nous? Ouais, c'est un peu le bazar. C'est à Wolfie de jouer. On va pas l'envoyer dans la troupe, on va les laisser venir à nous, hein. On va les laisser venir à nous. Alors, les archers, on va se mettre à. On va attaquer le chef, hein. C'est le seul qui a l'air d'avoir des sorts, donc on va essayer de s'en débarrasser en premier. Tizone. Alors je vais regarder quand même celui-là s'il est costaud ou pas. C'est celui-là. 8 points de vie. Oh. Tizone avant d'endormir le Dresh. Elle va essayer. Loupé. Je vais la reculer un peu. Oula. Victoria, il y a un peu de ménage là. Do not hold back. On s'en débarrasse du Faxon. Camélia, je vais être trop loin pour m'endormir. Donc j'arrive à une attaque d'opportunité si je passe là. Pas de réussite sur le sommeil là. Beaucoup. Wolfie. On va tester une hypnose collective, allez. So, I am. Hey.
pas l'impression que ça fait grand-chose. Hein. J'essaye de voir s'il y a des sorts d'enregistrer. Bon, ça n'a pas marché, je crois. Alors, l'âne. Bon, lui, au moins, c'est fini. Alors, tisane. Pas de réussite sans sommeil. Hein. Et Gregor, là, il se... comme il avait dit. Victoria. Strike as one. Ils sont beaucoup sur Scylla, là. C'est un tank, hein. Fait son boulot. Camélia. Venir à côté pour la soigner. Tu vas essayer d'endormir un. Hein. On va bientôt le tuer. Celui-là. Ah ben, les deux. Il est pas mal, Paxton. Inflige 0 dégâts, voici là. J'ai pas compris là. Si là tu finis lui. Voilà. Ah, il y en a encore un gros comme ça. Que mort, je peux endormir lui quand même. Elle s'en revient dans l'histoire. J'ai eu du mal. C'est mieux. Le Grébor, il s'est barré là, le nain. Je nous ai dit de pas attaquer, mais bon, je crois qu'on a bien fait d'attaquer. Hein. On s'en sort pas mal. Camélia. Qu'est-ce qu'elle a comme flèche acide? A fait effet pendant un round supplémentaire par tranche de 3 niveaux le lanceur de sort. Faxton, je sais pas qu'est-ce qu'il avait comme niveau. Donc ça va durer quelques rounds, 4 secondes encore. Ah, d'accord. On se fait un point à chaque fois ou rien du tout, donc c'est pas gênant. Ici là. Into the frame. Voilà. Too late for apologies. We shall overcome. Contemplate on your mistakes. Voilà, bah ça s'est pas mal passé. Hein. J'ai bien fait de pas écouter le nain Grébor qui disait d'aller chercher partir à la taverne. Voilà, bon bah pour le voilà pour le combat de la tour d'Estrode. Alors à la prochaine vidéo. Bonne soirée, ciao.